entre parenthèses, je vous dis que je n'étais pas, pendant des années que j'ai combattu, je ne combattais pas la personne de Mobutu, je combattais son système répressif qui privait le peuple de liberté fondamentale. Et rien sur le plan humain ne m'empêchait d'aller voir un homme malade et avec lequel, comme je viens de dire, institutionnellement, je devais collaborer. C'est ce que j'ai fait. Quel sens ? Merci beaucoup, M. Tshisekedi. Ça va très bien. Merci beaucoup du temps que vous avez accepté de nous accorder. Ça va très bien, pourvu que vous fassiez votre devoir de diffuser ce que vous avez à diffuser. Que le problème... Le problème du Congo... Le problème de la région... Le problème de la région, et, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont... On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Topé Sibinombote na Kombo ya Leopoldé. Pour la période de 1884 à 1885. Kasi, Topé Sibinombo Tete, na Kombo, ya Leopoldé, na période, ya 1885 à 1908. Période wana, toza na problème na Leopoldé. Ponanini, toye na idéologie, ya Bissoba les amis de Wechi, nous sommes Léopoldé. Nako senga, naba Congolais, nyoso. Bazala Léopoldé, na période, ya 1884-1885. Paul Kagame, alobi boye. Léopoldé Aza Mouibi, Yamabele ya Rwanda. Goma, en 1884, Ezalak, na royaume rwandais. Rutshuru, Masisi, Ezalak ipe, na royaume rwandais. En 1885, l'ère est à partage, na Berlin. En Allemagne, Oyo Tobengaka, Berlin. 1. Léopoldé a dribla qui batou Nyoso. Azui Babele à Rwanda, annexé Ango na Congo. Et c'est la raison pour laquelle Paul Kagame Azo Loba, sur le plan international, Azo justifié présence et armée rwandaise na kati ya Congo balingi ko récupérer Mabele na bango. Yango biso ba les amis de Wechi toyé na idéologie. Ya RDC en couleur. RDC en couleur elingi koloba nini? Tolingi unité et cohésion nationale. Tata Bob,
moko mambabo moko ekolobo moko mokonjibo moko oyo toponaki ye Félix Antoine Tshisekedi Chilombo toza la derrière les drapeaux congolais représentés par les présidents de la République Fatou Beton po tokende bitumba po ya kokende bitumba il faut discipline. Toza na quatre ethnies na Congo. Côté ya Bangala, baza ba discipliné et ba guerrier. Ils sont prêts. Poto kende bitumba. Côté ya Baswahili na ba Congo. Également discipliné. Désordre eza na côté ya ba ndeko na biso ya Grand Kasaï. Nous devons mettre de l'ordre. Na côté ya bande ko na biso ya Grand Kasaï. Toko senga na ba notable ya Grand Kasaï. Ba chef coutumier, ba luba. Oyo bazana esprit ya ba luba ya kala. Ba diamantifère. Ba telema. Ba benda matoi ya bana ya kilelo ba luba ya chanana. Bon, biso tolobaka mingi te bolanda. Félix Oyibi Mbongo. Mbongo wani empêche ote okino sala ba hernie discale ozwa kiawa. Mbongo wani zo empêche matama no koyate. Oko kufo kotika yango. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oyo fami mo bimba ba institutionnalize mo yibi ya boka boye. Oyo mutu mobimba a comme si jouissance le malheur des autres, vous trouvez plaisir à détruire le pays, vous trouvez plaisir à faire mal à vos propres compatriotes. Boza bando kito nini ngai nazo comprendre dans les sociétés. Je ne m'explique pas bande ko ngai Félix na batu ba ko kambai bazana maboma na mutu mutu ali boma batike la ke munduki te. Moutoua liboma, batike la kembelite. Liboma, Félix ezo boma biso. Félix aza liboma na batunyo, surtout baza pembeni. Moi, je n'ai plus d'explication na comportement oyo ya bango. Lo lenge na bango ako sale la makambo. Ya komone la makambo. Ya Félix na fami na ye. Résumé na ngo ya like, aza liboma. Moutou ne sa biente. Bino moko bouti kolanda. Pero. Aza journaliste ya espace Grand Kasaï des pères et des mères makambo oyo azoloba vraiment nous sommes désolés azo divisé ba congolais contre le président de la République démocratique du Congo na minute oyo toza na besoin ya division té. Paul Kagame a débloqué Bambongo Ebele azo futa ba Congolais pour ba finga président de la République démocratique du Congo pour ba finga Congo na biso avec objectif de diviser le peuple congolais. Sauf que toza divisé Kagame a ko profité. Pe, un jour, a kokipe, kozwa Goma, a kokipe kozwa Rutshuru, na Masisi. Biso toye na idéologie ya RDC en couleur, c'est-à-dire unité et cohésion nationale. Po ya kokoma na unité et cohésion nationale, toye na théorie ya 4 C magiques. C'est ya liboso comme consultation populaire. Tobanli na consultation populaire ko pesa parole na peuple congolais. Le peuple congolais sensibilise le peuple congolais. Bolanda ba musicien ya Werason public cible nangai eza 70 à 75% ya ba congolais selon étude ya UNICEF
bazaba analphabète et semi lettré ba star na bango et ba musicien ba joueur ba comédien yango public cible na biso donc sensibiliser 70 à 75% des Congolais analphabètes et semi-lettrés. 70% par exemple des 100 millions, c'est 70 millions de Congolais analphabètes et semi-lettrés. Bah fan, à mon avis. Bah fan, y a maison mère, bah Kolanda. Bakuyokake, cause yabitumba na est de la République démocratique du Congo, Eza ba minerete, Eza Leopoldé, et que biso nyoso Tokoloba, nous sommes Leopoldé, je suis Leopoldé, tu es Leopoldé, il est Leopoldé, nous sommes Leopoldé. Pour la période de 1884 et 1885. Soki to bandikaka na 1886, wana problème mosusu. Batu oyo bakoya ko finga wechi. Eza ba infiltré ya Paul Kagame parce que les amis de wechi nde to yé na origine ya conflit. Cause à conflit, na ba image à Paul Kagame, na image, il y a député rwandais où il a participé à qui na complot. Voilà tout le monde, gâteau nos alloués. L'air n'a ce côté déjà. La fanatique n'a eu au bas de Navayo. Bon matin, vous camarades, ma photo, vous yambaye. Vous faites ma cadeau. Les alloués, journée n'a eu. Donc, mon bout à l'oba, bouca le couta, parce que t'es que coloté. Ma bella est César Abisso. Toi, Kagami. Au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, Kagami! Kagami, moi je t'ai dit! Au nom de Jésus! Sors! Il a mis son à Congo! Il a Congo, ils ont demandé à nous m'appeler! Les Congolais, nous sommes c'est Maître Mao qui vous parle! Sandiman, nous sommes ensemble! Tous à la Bomoko, tous à la Ini! Donc ils sont nous, toi on a mis le bal au bâté, RDC en couleur, c'est-à-dire biso ba congolais, tozala discipliné. Bande konabiso ya Grand Kasai, baza. Bah indiscipliné, surtout bande konanga oya baluba, oya chanana, baluba oya kin, baluba oya kilelo. Baza ba indiscipliné, lokola biso tolobaka na image bolanda. J'ai fait une émission ici dernièrement, la toute dernière émission que j'ai faite, j'ai parlé de maman Marthe Kasalu. Vous avez été nombreux à aimer ça. Mais je veux répondre à une petite partie des personnes. J'ai même remarqué que les réactions négatives étaient infimes. Qui m'ont appelé ? Moi-même, j'ai pris soin de vous dire avant de parler de cette affaire que ici, je ne parle pas de la maman de Félix Tshisekedi. Les amis, dès lors que Marthe Kasalu quitte la sphère d'être la mère de Félix Tshisekedi, rentre dans la gestion de la chose publique,
Marthe Kasalu s'expose à ce moment-là à des critiques sévères des Congolais consciencieux qui n'acceptent pas de voir leur pays être mené en bateau comme ça s'est fait. Et je peux prétendre aujourd'hui d'être parmi ces Congolais-là. On me dit que tu as surnommé la maman de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas surnommé la maman de Félix Tshisekedi. J'ai d'ailleurs, pour créer la différence entre la maman de Félix Tshisekedi et cette vieille maman qui intervient aujourd'hui dans les affaires de l'État, j'ai décidé désormais, il faut l'appeler Eyenga Sakina Mwangeleka. Parce que pour moi, je vais faire un distinguo, une différence entre la maman de Félix Tshisekedi et Eyenga Sakina Mwangeleka, qui est donc Mamundele Oyo, qui intervient dans la chose publique. Et ceci, la cause principale, c'est qui? C'est son fils. C'est l'irresponsabilité. C'est l'inconscience, l'incompétence de son enfant. Félix Tshisekedi qui amène aujourd'hui que cette vieille maman, qui en ce moment ici, devient rester comme une sage au milieu du village, en train d'encadrer la vie de son enfant, aujourd'hui c'est elle qui gère le pays, Kombonaye Eyenga Sakina Mwangeleka. Je le répète, Eyenga Sakina Mwangeleka, c'est donc elle. Bouti Kolanda vidéo Oyo, Somo Nanzoto, na grand Kasai, ba mama ba tata ba ndeko, ba finga ka mama ya moninga te, na Kongo mobimba, le lo un Kasaien, oyaza na culture, Kasaienne azo finga mama Marthe. Mama ya Félix Tshisekedi Tshilombo, ye mon côté, mama ya Roger, mama ya Jean-Claude, mama ya Christian. Azo finga ye pe apesiye kombo. Na coutume na biso ezala kate. Mama ya moninga aza mama na yo. Même aza folle, aza mama na yo okoki ko finga ye a ta mokolo mokote. Yango nazo tuna ba notable ya Grand Kasai na ba chef coutumier, éducation nini oyo bo pesaki na bandeko na biso ya baluba ba indiscipliné mosala oyo bazwa ko diviser peuple congolais et soki toza diviser ta gamme akolonga biso yango tolobi a partir ya lelo ngai Cyprien Wetchi 69 ans, j'exerce mon droit d'aînesse. Pero, à partir d'aujourd'hui, sans que l'on ait fini à Félix, politique naïe, il faut suspendre. Pour le moment, tous en a besoin. Il y a unité et cohésion nationale. Moutou nyoso, oyo, a fini à Sikoyo, président, Makambo ya Congo, Tokolandaye. Il faut tout soukisa, esprit à distraction. Lokola émission na biso ezala kana des partis, parti politique, na parti musical, toliki kokota na parti musical. Avant kokota na parti musical, tokoyebisa bino mutu oya koya boyoka kiwechi azo finga baluba, mutu wana aza infiltré. Nazo finga bandeko nanga ya Grand Kasai te, nazo senga na bana ya Grand Kasai ba respecter culture ya Congo et en particulier ya bande ko na biso ya Grand Kasai. Mama Marthe aza moninga na biso te, aza mama na biso mwasi ya Etienne Tshisekedi. Wa mulumba on n'a pas le droit ya ko finga ye. Ah wechi azo sala boye po ba pesa ye mbongo, naza na besoin ya mbongo te. Ngai nazana besoin ba Congolais nyoso tozala ini to beta kagame parce que bisolaire tozala ki na intérieur ozana makasite okokende pe kasite o fingi mama ya mutu o longoli chemise bitumba na deuxième partie ndenge zala kaka
Internet ya bané 1900 ezalaki na les amis de Wechi yango yo les dialogues. Bozo beta ba masolo ya Bercy, ya Olympia, ya Kofi, ya Jimé, ya Papa Wemba, ya Wera, est-ce que bozana ba image? Na période wana biso to salaki reportage ya Kofi ya Bercy. Et les cas qui na télé Bruxelles. Seul mouvement Oyo. Et c'est là qui na émission sur une chaîne belge. Avant Zachary pe azala ki Zachary petit nanga y Zachary. Biso to za rabatu ya tout droit. Moto so ki a sali eloko na ye ya bien. Tokolobela yango. Si c'est bon, c'est beau. Tokolobela yango. To sala ki reportage ya Bercy ya Kofi. Ba français nyoso na bokoyoka. Ba journaliste ya les amis de Wetch yango ba bandi kokotiser. Poto sala télévision na biso. Deuxième partie. Ambiance à gogo. Papa wema na kuru na corbeille. À la musique avec une interview exclusive de Kofi Olomide, le célèbre chanteur congolais qui sera en concert à Bruxelles le 3 juillet pour présenter son nouvel album. Alina Mongala et Fabrice Moineau. Kofi ! Bonsoir à tous ! Kofi ! Kofi Olomide ! Chanteur congolais, un des artistes qui réussit l'exploit de faire salle comble à Bercy sans publicité, un homme qui se consacre avec talent à la diffusion de la culture congolaise, Kofi Olomide, sans phare et sans pudeur, nous parle de lui-même. Je suis heureux d'être pour la première fois sur Télé Bruxelles. Je suis Kofi Olomide et j'ai commencé à chanter étant sur le banc de l'école, dans mon quartier d'enfance qui s'appelle Lemba, à Kinshasa. Et tout en allant à l'école, vers les dernières années de l'école primaire, de l'école secondaire, je commençais à gratter à la guitare. Alors, c'était dans mon quartier, et puis à l'université à Bordeaux, c'est devenu plus qu'un hobby. Je ne pouvais plus me séparer de ma guitare, et je faisais des chansons qui peuvent plaire à tous mes camarades sur le campus universitaire à Bordeaux. Et à la fin de mes études, quand j'ai soutenu mon mémoire, tous mes copains qui me connaissaient comme quelqu'un qui écrivait des chansons pas mal, m'ont instamment conseillé d'essayer d'enregistrer professionnellement, ce que j'ai fait en 83. Mon premier album, c'était en 83, ça s'appelle Ngunda. Je l'ai enregistré à Bruxelles, en Belgique, chez vous. Et tout est parti de là. J'ai passé un concours pour postuler un emploi en tant que techno-commercial, les études que j'avais faites. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore le résultat pour pouvoir être dans un bureau. Des millions d'albums vendus, une ascension fulgurante. Quel est ton secret pour rester au top? Je dirais que le secret, c'est le travail et l'amour du travail. J'ai les dans le sang, j'ai la musique, je pense pouvoir dire dans le sang. Et puis voilà quoi. Pour le très attendu prochain album dans les bacs, tu as choisi pour titre « Monde arabe ». Kofi serait-il soudain frappé d'inspiration orientale? Bon, il n'y a pas de but, en tout cas pas politique. Hein, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot arabe, on le sent qui tourne. Moi, je me demande bien pourquoi. « Monde arabe », parce que justement, ça attire l'attention de tout le monde tout de suite. Et c'est tout. Autant qu'à donner un titre à un album, autant donner un titre qui accroche l'esprit, qui
qui fait que les gens fassent le détour. Donc moi, j'ai choisi depuis à peu près 2 ans ce titre-là pour mon album. Il ne met absolument rien de politique, de mesquin derrière. Et d'ailleurs, ce titre-là était venu pour m'inspirer à monde arabe. Pourquoi pas regarder un peu dans cette direction-là, ou sur le plan des vibrations, de la façon de voir la musique, des arrangements, etc., etc. Bon, les gens vont juger. C'est pas un album arabe, absolument pas. Moi, je n'en suis pas un, mais c'est l'intitulé de mon album. De la même façon qu'on choisit un prénom pour son enfant quand il vient au monde. L'amoureux de la rime, le prototype même du chanteur de charme et des ballades romantiques, est de retour sur la scène belge après une longue absence. Alors Kofi, ravi de retrouver ton public. Le concert du 3 juillet, du samedi 3 juillet à la salle Concert Noble sera mémorable. On va donner du plaisir et du bonheur à tout le monde. Oh, 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 oh